Qu'est-ce que t'entends? Buvons, chers amis, buvons, le temps qu'ici nous y convient, profitons de la vie autant que nous pouvons. J'ai eu envie de vous réunir pour qu'on parle entre femmes et vous poser des questions que j'avais envie, que je me pose parfois moi-même et que j'avais envie de vous poser. Alors, Milly, j'avais envie de te demander, si tu avais été un garçon, est-ce que tu aurais été actrice? Ruy Blas, drame en 5 actes et en vers de Victor Hugo. Hippolyte, tragédie de Robert Garnier, acte 1. Hé, les amis! Attention, 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 attention. Le soulier de satin, ou le pire n'est pas toujours sûr. Action espagnole en 4 journées. Oui, c'est à nous deux, nous sommes la première scène. Asseyez-vous là, vous autres, et nous débutons. Tu es au fait, Lisette. Hein? Tu arrives sur le théâtre et tu me trouves rêveur et distrait. Mm-hmm. Recule-toi un peu pour me laisser prendre ma contenance. Qu'avez-vous donc, monsieur Merlin? Vous voilà bien pensif. C'est que je me promène. Et votre façon en vous promenant est-elle de ne pas regarder les gens qui vous abordent? C'est que je suis distrait dans mes promenades. Qu'est-ce que c'est que ce langage-là? Il me paraît bien impertinent. Oh, doucement, Lisette. tu me dis des injures au commencement de la scène. Par où la finiras-tu? Oh, et t'attends pas des régularités, je dis ce qui me vient. Oui. Continuons. Je me souviens très bien lorsque j'ai lu Proust pour la première fois, il y a déjà un certain nombre d'années, j'ai eu assez de difficultés à entrer à l'intérieur de ce monde parce qu'il y avait trop de choses qui étaient étrangères à mon expérience d'alors. Tout le côté Faubourg Saint-Germain, mondanité, belle époque, si vous voulez, de l'œuvre de Proust, étaient pour moi des obstacles considérables. C'est seulement au bout de 1000 pages, à peu près, que j'ai commencé à trouver ça intéressant, et au bout de 2000 pages, j'ai trouvé ça passionnant. J'ai trouvé ça tellement passionnant que je me suis mis à l'étudier, et depuis,
j'ai recommencé cette étude un certain nombre de fois. Tant pis. C'est moi. Pardon. Ne faites pas attention, je passe. Vous parliez entre vous, continuez de grâce. J'entre un peu brusquement, messieurs, j'en suis fâché. Personne. Sur le toit, tout à l'heure perché, j'ai cru pourtant ouïr un bruit de voix. Mais non. Non. Je vois bien, afin que tu endures pour ton mal perpétré de plus âpres tortures. Pluton gros de vengeance et de colère gros te permet de revoir avec ce héros ta fatale maison. Maison où les furies ont jusqu'à ton trépas fondé leur seigneurie. Tu y verras l'inceste. Et le meurtre. Et toujours ton désastre croîtra comme croîtront tes jours. Tu oxyras, meurtrier, ta propre géniture. Puis l'adultère mort de ta femme parjure doublera tes ennuis qui, lentement mordant, te rongeront le cœur et le foie au-dedans. Alors, quel autre échappatoire que le rire ? Sinon le suicide. Poil horrible. À la deuxième question, peut-on rire avec tout le monde? Je répondrai... C'est dur. Personnellement, il m'arrive de renacler à l'idée d'inciter mes zygomatiques à la tétanisation crispée. C'est quelquefois au-dessus de mes forces dans certains environnements humains. La compagnie d'un stalinien pratiquant me met rarement en joie. Près d'un terroriste hystérique, je pouffe à peine. Et la présence à mes côtés d'un militant d'extrême droite assombrit couramment ma jovialité monacale. C'est vrai. Il y a plus d'humanité dans l'œil d'un chien quand il remue la queue que dans la queue de Le Pen quand il remue son œil. Ah, oh, monsieur, monsieur, lui, vous, mais qu'est-ce que vous... qu'est-ce que vous venez faire? Il faut que je vous parle. Mais d'abord, faites sortir, monsieur, votre fils. Moi? Lui? Mais c'est pas mon fils. Vous n'allez pas me dire que c'est votre mari. Oh, c'est bête ce que vous dites là. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il a donc tout le temps à me faire des enfants? Puisque c'est pas votre fils, faites sortir ce quelconque. Oui, oui, bon. Veux-tu aller m'attendre un instant là-bas? Volontiers. Ça doit être un tapeur, ça. Il vient pour lui emprunter de l'argent, ce quelconque. Bon, et maintenant, faites vite. Excusez-moi, mais ça ne me paraît pas muy poli que vosotros vous riez... Non, c'est vrai. Vous riez de mí cuando yo tassé de hablar, pero francés, como puedo, señora, como puedo. Si, c'est très, très bien. Ça fait un très, très bon effet, c'est parfait. C'est parfait, parler. C'est comme ça qu'il faut parler. Parler comme ça. Ben ça, c'est parfait, ça. Parler. Comment, madame? Mais comment c'est parfait, s'entendre faire dans un tel baragouin certaines propositions? L'effet est sûr, madame, que... Non, mais ça a presque l'air d'une farce, c'est pas vrai, ça? C'est pas vrai, ça. Mais quoi? C'est vrai ou c'est pas vrai? Pero viejito, si. Viejito! Si, pero meilleur lit. Eh oui, mais mejor para ti. Oui. Porque s'il te plaît pas, elle te porte prudente. Oui, oui, oui. Oh, oui, mais à qui le fureur me laissant emporter? Contre ces tristes jours vais-je vous irriter? De mes emportements, elle n'est point complice. Ni de mon amour même, et de mon injustice. Loin de me retenir par des conseils jaloux, elle me conjurait de me donner à vous. En un mot, séparer ses vertus de mon crime. Je vous ai dit déjà que j'ai vu tout moi-même. Des esprits médisants, la malice est extrême. Mais vous me feriez damner, ma mère, je vous dis que j'ai vu de mes yeux un crime si hardi. Les langues ont toujours du venin à répandre. Et rien n'est ici-bas
qui s'en puisse défendre. C'est tenir un propos de sens bien dépourvu. Je l'ai vu, dis-je, vu, de mes propres yeux, vu, ce qu'on appelle vu. Faut-il vous le rebattre aux oreilles 100 fois et crier comme 4? Tout n'est pas exceptionnel. Tu ne peux pas tout rendre exceptionnel. Tu peux essayer de rendre tout exceptionnel, mais tout ne l'est pas. Où est-ce que tu vas? Je ne veux pas être là. Tu vas me parler maintenant? Tu vas me parler? Tu voudras me parler? Il faudra que j'écoute? Et je n'ai pas envie d'écouter. Je ne veux pas, j'ai peur. Faut toujours que vous me racontiez tout. Toujours, tout le temps. Depuis toujours, vous me parlez, moi je dois écouter. Les gens qui ne disent jamais rien, on croit juste qu'ils veulent entendre, mais souvent tu ne sais pas. Je me taisais pour donner l'exemple. J'ai toujours, quand j'étais petite, regretté de ne pas être un garçon. Si tu veux, dans ce sens-là, parce que justement, ce que je cherchais à travers le cinéma, c'était vivre. C'était quelque chose, un alibi pour vivre. Bon, un moyen d'avoir une force pour moi, pour me défendre. Et comme je l'avais pas en tant que fille, parce que il y avait l'agression de toute façon permanente des garçons et tout ça. Il me semblait que les garçons, c'était des gens qui avaient cette liberté de pouvoir se tailler sans se faire agresser physiquement, sexuellement, qui pouvaient aller dormir dans la rue, ce que j'aurais voulu faire, dormir sous un pont. Et qu'en tant que fille, je pouvais pas parce que j'avais une robe, je voulais pas qu'on voit ma culotte. Oh, mais des trucs aussi cons que ça, vous voyez. Si je veux pisser, où c'est que je vais faire Bon, tout ça, des trucs à ce degré-là, pratiquement, au niveau... Tout ça, le sexe, tout ça, qui était très chiant, j'avais pas le courage de ça. La vie est une fleur. L'amour en est le miel. C'est la colombe unie à l'aigle dans le ciel. C'est la grâce tremblante à la force appuyée. C'est ta main, dans ma main, doucement oubliée. Oh. Aimons-nous. Aimons-nous. Non, laissez. Il va bien. Elle est prise. Dis-moi que tu m'aimes. Vaut rien. Blanche, redis-le-moi. Vous m'avez entendu, vous le savez. Je suis heureux. Je suis perdue. Non, heureuse avec moi. Vous m'êtes étranger. C'est sans doute, madame, une douceur extrême que d'entendre ces mots d'une bouche qu'on aime. Leur miel dans tous mes sens fait couler à longs traits une suavité qu'il ne goûta jamais. Le bonheur de vous plaire est ma suprême étude et mon cœur de vos vœux fait sa béatitude. Mais ce cœur vous demande un peu la liberté d'oser douter un peu de sa félicité. Je puis croire ces mots un artifice honnête pour m'obliger à rompre un hymen qui s'apprête. Et s'il faut librement m'expliquer avec vous, je ne me fierai point à des propos si doux qu'un peu de vos faveurs, après quoi je soupire, ne viennent m'assurer tout ce qu'ils m'ont pu dire et planter dans mon âme une constante foi des charmantes bontés que vous avez pour moi.
quoi? Vous voulez aller avec cette vitesse et d'un cœur tout d'abord épuiser la tendresse? On se tue à vous faire un aveu des plus doux, cependant ce n'est pas encore assez pour vous, et l'on ne peut aller jusqu'à vous satisfaire qu'aux dernières faveurs, on ne pousse l'affaire. Je conçois ce malheur, mais à ne point mentir, votre amour, dès longtemps a dû le pressentir. Ah, Zahir, l'amour a-t-il tant de prudence? Tout semblait avec nous être d'intelligence. Roxane, se livrant tout entière à ma foi, du cœur de Bajazet se reposait sur moi, m'abandonnait le soin de tout ce qui le touche, le voyait par mes yeux, lui parlait par ma bouche, et je croyais toucher au bienheureux moment où j'allais, par ses mains, couronner mon amant. Le ciel s'est déclaré contre mon artifice. Et que fallait-il donc, Zahir, que je fisse? À l'erreur de Roxane, ai-je dû m'opposer et perdre mon amant pour la désabuser? Avant que dans son cœur cet amour fût formé, j'aimais. Et je pouvais m'assurer d'être aimée. Dès nos plus jeunes ans, tu t'en souviens assez, l'amour serra les nœuds par le sang commencé. Élevée avec lui, dans le sein de sa mère, j'appris à distinguer Bajazet de son frère. Elle-même, avec joie, unit nos volontés. Et quoiqu'après sa mort, l'un de l'autre écarté, conservant sans nous voir le désir de nous plaire, nous avons su toujours nous aimer et nous taire. Quand je dis que l'amour est jaloux, prétendez-vous que vous ne comprenez pas? Quelle femme ne le comprendrait? Celle qui aime. Les poètes ne disent-ils pas qu'elle gémit de n'être pas toute chose pour l'être qu'elle a choisi? Il faut qu'il n'ait plus besoin que d'elle seule. C'est la mort et le désert qu'elle apporte avec elle. Oh, ce n'est pas la mort, mais la vie que je voudrais apporter à celui que j'aime. La vie. C'est donc ainsi qu'on aime. Et c'était tromperie. Ne parlons point de cela, je vous prie. Vous m'avez dit tout franc que je dois accepter celui que pour époux on me veut présenter. Et je déclare moi que je prétends le faire puisque vous m'en donnez le conseil salutaire. Ne vous excusez point sur mes intentions. Vous aviez pris déjà vos résolutions. Ah, il est vrai. Et vous vous saisissez d'un prétexte frivole pour vous autoriser à manquer de parole. Il est vrai, c'est bien dit. Sans doute. Et votre cœur n'a jamais eu pour moi de véritable ardeur. Hélas, permis à vous d'avoir cette pensée. Oui, oui, permis à moi. Mais mon âme offensée vous préviendra peut-être en un pareil dessein. Et je sais où porter et mes vœux et ma main. Ah, je n'en doute point. Et les ardeurs qu'excite le mérite. Mon Dieu, laissons là le mérite. J'en ai fort peu sans doute, et vous en faites foi. Mais j'espère aux bontés qu'une autre aura pour moi. Et j'en sais de qui l'âme, à ma retraite ouverte, consentira sans honte à réparer ma perte. La perte n'est pas grande, et de ce changement, vous vous consolerez assez facilement. Je ferai mon possible. Et vous le pouvez croire, un cœur qui nous oublie engage notre gloire. Il faut, à l'oublier, mettre aussi tous nos soins. Si l'on en vient à bout, on le doit feindre, au moins. Et cette lâcheté jamais ne se pardonne de montrer de l'amour pour qui nous abandonne. Ce sentiment sans doute est noble et relevé. Fort bien, et d'un chacun, il doit être approuvé. Et quoi, vous voudriez qu'à jamais dans mon âme, je gardasse pour vous les ardeurs de ma flamme, et vous visse à mes yeux passer en d'autres bras sans mettre ailleurs un cœur dont vous ne voulez pas? Au contraire, pour moi, c'est ce que je souhaite. Et je voudrais déjà que la chose fût faite. Vous le voudriez? Oui. C'est assez m'insulter, madame, et de ce pas, je vais vous contenter. Fort bien. Souvenez-vous au moins que c'est vous-même qui contraignez mon cœur à cet effort extrême. Oui. Et que le dessein que mon âme conçoit n'est rien qu'à votre exemple. À mon exemple, soit. Suffit. Vous allez être à point nommé servi. Tant mieux. Vous me voyez. C'est pour toute ma vie. Moi, j'ai la vie plus dure. Et votre femme, garçon? Eh bien quoi, ma femme? Elle est morte. Morte? J'ai dû oublier de vous le dire. Elle est morte tout à l'heure, il y a 2 mois environ. De chagrin? Naturellement, de chagrin. De quoi voulez-vous qu'elle soit morte? Alors, tout va bien. La guerre est finie. Ma femme est morte. Et je suis entré dans l'histoire. Mon chéri, regarde-moi. Mon chéri, touche-moi. Touche-moi. Mets ta main sur ma gorge. Laisse ta main, laisse-la. Ne bouge pas. Ils vont mourir un à un, qu'importe ce qu'ils pensent. Oublie-les. Il n'y a plus que moi. Non, mais elle n'est pas en deuil, là. Elle n'est pas en deuil, non. Alors, vous baissez la tête
Je le serai, vous inquiétez pas, et je le serai bien plus élégamment que vous. Hein? Bon, vous baissez la tête, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous taire? Et regardez bien. Oui, je suis descendue trop tôt. Oh, écoutez, non. Alors maintenant, taisez-vous. Taisez-vous et arrêtez de rire. Elle n'est pas du tout en deuil. Non, mais enfin, ça part mal, là. La promenade est belle. Fort belle. Le beau jour. Fort beau. Quelle nouvelle ? Le petit chat est mort. C'est dommage. Mais quoi, nous sommes tous mortels et chacun est pour soi. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage. Pour mon cœur déchiré, c'est le dernier naufrage. Tu m'as dit au printemps, je serai de retour. Le printemps c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le spectacle commence, mais dans des conditions mais diluviennes, c'est-à-dire qu'on entendait, il y avait des trappes d'air qui bougeaient, il y avait 120 km/h de vent, enfin, un truc, on entendait la pluie tomber, on se disait, mais ça va nous tomber sur la tête, ça va être terrible. Et le spectacle commence avec, moi c'est la première fois que je voyais un spectacle de théâtre, mais de mime, donc voilà. Et il y avait donc des élèves à lui qui étaient là et qui prenaient les pauses, ils arrivaient dans le noir, et par exemple, il y avait Bip Ozo. C'est parce que Bip, c'était son personnage. Et ils étaient comme ça, costumés, ils bougeaient pas, ils avaient le panneau comme ça. Je me dis, mais c'est très étrange quand même comme théâtre. Très, très étrange. Moi, je m'attendais, je suis très attaché à la voix, je me dis, ça va parler, ça va blaguer, ça. Au théâtre ce soir, quoi. Je me dis, oh là, et ça va. Pas un mot. Et je suis suspendu entre ce qui se passe sur le plateau et ce qui se passe au-dessus de nos têtes parce qu'on se dit, tout va s'écrouler. Et il y avait une sorte d'angoisse. Et petit à petit, Marceau, génial, intégrait ce qui se passait. C'est-à-dire qu'il y avait des fonds, on entendait comme des sifflantes, des vents coulis énormes. Ça faisait bouger un peu les lustres, les trucs. On se disait, mais ça va... Et il s'arrêtait, il intégrait les choses, etc. C'est bien que ça devenait léger quand même. Mais c'était quand même très inquiétant. Et au bout d'une heure de spectacle, panne d'électricité, noir total. Vous l'aimez? Si. Le sort ne m'eût donné à vous. Mon bonheur dépendait de l'avoir pour époux. Avant que votre amour m'eût envoyé ce gage, nous nous aimions. Seigneur, vous changez de visage. Non, madame. Il suffit. Je vais vous l'envoyer. Allez, le temps est cher, il le faut employer. Je vois qu'à m'obéir, vous êtes disposé. Je suis content. Oh, ciel! Serais-je abusé? Il s'aime. C'est ainsi qu'on se jouait de nous. Ah! Fils ingrat, tu vas me répondre pour tous. Tu périras. Je sais combien ta renommée et tes fausses vertus ont séduit mon armée perfide. Je te veux porter des coups.
concertant. Il faut pour de mieux perdre écarter les mutins, et faisant à mes yeux partir les plus rebelles, ne gardez près de moi que des troupes fidèles. Rouge, nous ne partirons qu'en rouge. C'est un vœu que nous avons fait entre les mains de frère Lopez. En rouge, sous le commandement de Monsieur Don Rodrigue, nous attendrons ce qu'il faut. Il y a encore 5 mois avant celui du précieux sang. Nous partîmes 500. Mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Tant à nous voir marcher en si bon équipage, les plus épouvantés reprenaient de courage. C'était le secret entre moi et Dieu. C'était ce besoin sacré qu'il avait mis dans mon cœur. Alors explique-moi un peu, Almagro, qui te poussait? Toutes ces choses que tu as faites, quel avantage et quel bien espérais-tu en retirer? Je ne sais, je n'y ai jamais réfléchi. C'est comme l'instinct qui vous jette sur une femme. Non, pas poussé plutôt, c'était quelque chose en avant qui me tirait. Il me fallait posséder cette terre, entrer dedans. C'était le commencement indispensable de quelque chose. Regarde, elle est détruite. Elle est détruite. Sire, de bonnes nouvelles, d'excellentes nouvelles, de glorieuses nouvelles. Loué soit Dieu qui protège l'Espagne. Qui aurait pu douter qu'une expédition si bien combinée et pour un but si honorable, sous un chef si distingué, pût avoir une fin autre qu'excellemment parfaitement satisfaisante? Apaisez-vous, monsieur, et reprenez vos esprits, et veuillez me dire en ordre et posément ce que vous avez à me marquer. Je demande humblement pardon à votre majesté en un jour si beau pour l'Espagne, qui pourrait contenir sa joie. La mer même s'agite sourdement sous mes pieds, et ce palais avec ses miroirs et ses peintures se soulève et craque comme si la vague irrésistible qui vient de s'abattre sur les falaises de Douvres et de Southampton intéressait les racines de la profonde volute qui, de sous la quille même de votre bâtiment monarchique, s'épanouit en une triple corolle autour de l'Espagne, Dieu bénite. Abandonnez ce langage poétique! Éclairez-moi! Rien, monsieur! Rendez-moi quelque chose! Oh, le vieux diable! Il prend les profits les plus clairs, excepté l'Inde. Il a les îles des deux mers, quelle envergure! Il tient Majorque d'une griffe, et de l'autre, il s'accroche au pic de Tenerife. Moi? Je n'ai rien. Il a les nègres! Je devrais me plaindre bien plus tôt. Il me faut les forêts. Donnez-moi l'arsenic, je vous cède les nègres. Bon appétit, messieurs. Ô ministres intègres, conseillers vertueux, voilà votre façon de servir. Serviteurs qui pillaient la maison. Donc vous n'avez pas honte et vous choisissez l'heure. L'heure sombre où l'Espagne agonisante pleure. Donc vous n'avez ici pas d'autres intérêts que remplir votre poche et vous enfuir après. Cette idée de relier les deux mers par un canal, je vous prie, qu'en disent les ingénieurs et les financiers? Ce n'est pas tout à fait aussi ridicule. Il s'agit seulement, si j'ai compris, d'une espèce de chemin par lequel, au moyen de câbles et de je ne sais quelle manigance hydraulique, on ferait passer les navires assujettis sur des espèces de chars d'un hémisphère à l'autre. Et voilà! Où va l'argent de l'Espagne dont nous aurions tant besoin pour l'enseignement supérieur? Des navires ou des chars cavalcadant par-dessus les montagnes, fort bien. C'est dans l'ordre, c'est dans l'ordre. Quand un tisserand fait le marin, un vice-roi peut bien faire l'ingénieur. Mais comme vous dites, c'est d'autant d'argent de moins pour Madrid. Les remises des Indes ont faibli, et les plaintes de rapines et de violences que nous recevons de tous les coins d'Amérique, ces exactions épouvantables, tous ces peuples qu'on ramasse à la manière de Pharaon pour les jeter dans la tranchée de la Culebra. Grâce à toi, fils de la colombe, mon royaume est devenu semblable au cœur de l'homme. Alors qu'une part ici accompagne sa présence corporelle, l'autre a trouvé sa demeure outre la mer.
Il a mouillé ses ancres pour toujours en cette part du monde qu'éclairent d'autres étoiles. Celui-là ne pouvait se tromper qui prend le soleil pour guide. Cette part du monde toute nouvelle et fraîche comme une étoile qui a surgi pour moi de la mer et des ténèbres. Et ce n'est pas moi plus tard qui aurai à m'y faire une place, à m'y tailler une courte province, c'est moi qui la contient tout entière, alors que toute fraîche et humide, encore elle s'offre à recevoir pour toujours mon empreinte et mon baiser. Et qu'est-ce qui est en avant de vous ? Un point fulgurant, là-bas. Pareil à la vision de la mort. Est-ce un mouchoir qu'on agite ? Est-ce un mur sur lequel frappe le soleil de midi ? Oh, mais quelle insolence ! Quelle impudence ! Quelle exigence ! Quelle extravagance ! Sire, nous vous supplions tous que vous n'obtempériez pas. Nous vous supplions tous que vous n'obtempériez pas aux impudentes et insolentes exigences et extravagances de cet exorbitant gentilhomme. Oui, nous ne pouvons pourtant pas faire de l'Amérique que le génie et la vertu de votre inoubliable grand-père ont fait sortir du sein des Indes la pâture banale de toute l'Europe. Il ne faut pas obtempérer, il ne faut pas obtempérer. Qu'en dites-vous, monsieur le chancelier ? Excusez-moi, je ne sais que penser, vous me voyez tout ému et frémissant. Voyez-vous un moyen quelconque de nous passer de Don Rodrigue en Angleterre ? Hélas, j'ai beau chercher, nous n'avons pas d'autre choix. Quelqu'un de vous veut-il recevoir de mes mains l'Angleterre à la place de Don Rodrigue ? Votre Majesté m'excuse. Les femmes sont belles à tous les âges, mais pas pour les hommes. C'est dommage. Mais comment tu expliques ça? C'est la manière dont, je sais pas, la civilisation a évolué. Ce qui est jeune et beau, et c'est beau. Ce qui est jeune et ferme, c'est beau. Et ce qui est plus mûr, ce qui est plus intéressant, ce qui est plein, qui a de l'expérience, et ben, c'est normal. Bon, voilà. Mais pourquoi pas? Je sais pas. Je sais pas, j'aimerais que ce soit autrement. Ça, je donnerais tout pour ça, mais c'est que la vie, c'est comme ça. Pourquoi, qu'est-ce qu'une vieille voiture, hein? Pourquoi est-ce qu'on les jette? Tu sais pourquoi, toi? Une vieille voiture cabossée avec la peinture qui craque? Non, mais quand je t'écoute, ça veut dire que, à un certain moment, tu penses qu'on est comme des vieilles voitures. Ah, bah non, moi, je le crois pas. Ah, mais eux, ils le croient. Oui, je crois. Je crois. Qui me vaut ce bonheur? Oh, Dieu. Rien. Ou du moins peu de choses, Seigneur. Tout à l'heure, on disait, parmi d'autres paroles, Cassilda. Vous savez que les femmes sont folles. Cassilda soutenait que vous feriez pour moi tout ce que je voudrais. Elle a raison! J'ai soutenu que non. Ma foi, vous avez tort, madame! Elle a dit que pour moi, vous donneriez votre âme, votre sang. Cassilda parlait fort bien ainsi. Et moi, j'ai dit que non. Et moi, je dis que si! Pour votre majesté, je suis prêt à tout faire. Tout ? Tout ! Eh bien, voyons, jurez que pour me plaire, vous ferez à l'instant ce que je vous dirai.
Par le saint roi Gaspard, mon patron vénéré, je le jure, ordonnez, j'obéis ou je meurs. Vous voulez de mon amour? Oui. Eh bien, à vous de le gagner. Quoi? Puis-je espérer? Ah, ma vie, s'il le faut. Demandez-moi de me tuer devant vous, si vous devez m'appartenir après. Je ne vous en demande pas tant. Retournez à Batavia, voilà tout. Voilà tout. Elle appelle cela « voilà tout ». Des continents, des mers, tout cet espace entre nous. Et cela me donnera la mesure de votre amour. Mais je ne mesure pas mon amour au kilomètre. Tant heureux, vous ne m'aimez pas. Je vous aime. Le mal d'amour me pousse hors de chez moi chaque jour. Je fais 6 verstes à pied pour venir ici, plus 6 verstes pour rentrer. Je ne trouve en vous qu'indifférentisme. Enfin, ça se comprend. Des petits moyens, une famille nombreuse. Qui voudrait se marier avec quelqu'un qui n'a déjà pas de quoi se nourrir lui-même? Dieu vent. Votre amour me touche, mais je ne peux pas y répondre avec réciprocité. Voilà tout. Vous vous trompez, monsieur. Je l'aime trop moi-même pour l'en empêcher. Et je suis enchantée. Oh, Dorante, que je vous estime. Je n'aurais pas cru que vous m'aimassiez tant. Courage. Je ne fais que vous le montrer et vous en êtes déjà coiffé. Pardi, le cœur d'une femme est bien étonnant. Le feu, il prend bien vite. Eh, monsieur, faut-il tant de bien pour être heureux? Madame, qui a de la bonté pour moi, suppléera en partie par sa générosité à ce qu'il me sacrifie. Que je vous ai d'obligation, Dorante. Oh, non, mademoiselle, aucune. Vous n'avez point de gré à me savoir de ce que je fais. Je me livre à mes sentiments et ne regarde que moi là-dedans. Vous ne me devez rien. Je ne pense pas à votre reconnaissance. Vous me charmez! Que de délicatesse! Il n'y a encore rien de si tendre que ce que vous me dites. Bien sûr, vous êtes docteur. Vous ne pouvez pas éviter les femmes. C'est comme ça. Mais sachez que c'est un supplice. Fréquenter des femmes, mais au moins que je ne le vois pas. J'essaierai. Sans l'offre de ton cœur, par où peux-tu me plaire? Quels seraient de tes vœux les inutiles fruits? Ne te souvient-il plus de tout ce que je suis? Maîtresse du sérail, arbitre de ta vie, et même de l'État qu'Amurat le confie, sultane. Et ce qu'en vain j'ai cru trouver en toi, souveraine d'un cœur qui n'eût aimé que moi. Dans ce comble de gloire où je suis arrivée, à quel indigne honneur m'avais-tu réservé? Traînerais-je en ces lieux un sort infortuné? Et vil rebut d'un ingrat que j'aurais couronné, de mon rang descendu à 1000 autres égales, ou la première esclave enfin de ma rivale? Je reste, partez. C'est clair. Elle reste et vous n'avez qu'à partir. Veuillez dire à Donia Prouez que je désire l'entretenir sur le champ. Pour me donner ainsi des ordres, il faut que vous me croyiez plus noir de peau que je ne suis. Et ce camarade, tout à l'heure, à la demande d'audience que vous aviez formulée, ne vous a-t-il pas apporté un refus qui est fait pour vous suffire? Qui sait d'ailleurs, cette pièce n'est pas si écartée que votre voix peut-être n'aille directement aux oreilles de son Excellence. Désobéira-t-elle à ces ordres que le roi même m'a chargé de lui porter? Non pas ordre, si j'ai bien lu conseil. À celui-là même qu'avec le roi, son époux de par Dieu lui donne. Elle choisit de rester ici. Prouez! M'entendez-vous? Prouez! Prouez! M'entendez-vous? Rodrigue, je suis à toi. Tu vois? Comme j'ai rompu ce lien si dur. Rodrigue, je suis à toi.
Rodrigue, je vais à toi. Moi, je t'accompagne. Il me désirera toujours. Pour les uns, l'intelligence suffit. C'est l'esprit qui parle purement à l'esprit. Mais pour les autres, il faut que la chair aussi, peu à peu, soit évangélisée et convertie. Et quelle chair pour parler à l'homme plus puissante que celle de la femme ? Maintenant, il ne pourra plus te désirer sans désirer en même temps où tu es. Mais est-ce que le ciel jamais lui sera aussi désirable que moi ? D'une pareille sottise, tu seras puni à l'instant. Oh frère, fais-moi durer encore cette seconde. Salut, ma sœur bien-aimée. Oui, qu'il fait bon dans cette église solitaire. Vide de toute assistance autre que l'invisible, officiellement suggéré par ses loges à droite et à gauche, au-dessus de nous. Écoutez ce petit être qui prie de tout son cœur, les mains jointes et les pieds de son esprit déchaussés. On ne voit que la lampe, un point de feu sur une goutte d'huile, mais pour elle, la cavité de ce lieu est aussi redoutable que si l'obscure fumée de ce monde entr'ouverte, elle envisageait le buisson ardent ou le propitiatoire dans le tonnerre ou l'agneau sur son livre scellé. Car le protestant prie seul, mais le catholique prie dans la communion de l'Église. Es-tu convaincu, hérétique ? J'entends les cloches de Rome qui m'empêchent de répondre, et parmi elles, celle de mon couvent de Sainte-Sabine qui me dit « Adieu et Alléluia ». Pour toi, papa cheval potam. Pour toi, papa cheval potam. Pendant que tout le fleuve tourne vers moi, pendant que tous les villages tournent vers moi, pendant que la forêt tourne vers moi, pendant que tous les bateaux tournent vers moi, à cause du trou que je fais, à cause du bouillon que je fais, à cause du nœud que je fais dans cette eau qui mousse et qui remue. J'ai de l'eau pour me rincer. Dans cette lutte opiniâtre et cruelle contre le diable, source des forces matérielles, il m'est échu de vaincre. Qu'alors, la matière et l'esprit se fondront dans une harmonie grandiose et que s'accomplira le règne de la volonté universelle. Mais cela n'adviendra que progressivement. Au terme d'une longue, longue série de millénaires. Et la lune, le lumineux Sirius et la terre ne seront plus que poussière. Et d'ici là, horreur. Horreur. Voici qu'approche mon puissant adversaire, le diable. Je vois ses terrifiants yeux. Ça sent le pourpre. Ça sent le soufre. Il faut vraiment, oui. Ah oui. Ah oui, 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 ça c'est un effet. Maman. Sa mère est morte en lui donnant la vie. Peut-être. Est-ce de celle-ci que je parle? Don Balthazar, allez-vous me rendre ce service et... Donnez-moi cette meule. Vierge, patronne et mère de cette maison, répondante et protectrice de cet homme dont le cœur vous est pénétrable plus qu'à moi et compagne de sa longue solitude. Alors, si ce n'est pas pour moi,
que ce soit à cause de lui. Puisque ce lien entre lui et moi n'a pas été mon fait, mais votre volonté intervenante. Du sang sur les doigts. Il se répète, ils vont me casser la gueule et pourquoi ça arrive à lui, il ne sait pas. Il a eu peur de ça depuis toujours et maintenant que c'est face à lui, il n'a presque plus peur. Seulement, il ne comprend pas. Il ne peut pas imaginer comment les pompiers enlèveront son corps tout à l'heure et comment, sur le ciment. On nettoiera le sang à l'eau de Javel et à la brosse. Et puis le rire de celui qui a du gel sur les cheveux, ses dents qui se chevauchent. C'est à peine le temps de rien parce que tout recommence très vite. Une autre claque et toujours des bras qui le bloquent. Il se débat, mais ça ne dure pas quand il essaie de donner des coups de pied devant lui, sur le côté, prenant appui sur les bras qui le retiennent pour jeter ses jambes devant lui. Alors il le lâche et il tombe dans un grand bruit de souffle coupé. Mais même à ce moment-là, il se dit que tout va s'arrêter bientôt. Ça aurait dû finir à ce moment-là. Voilà, qu'ils en finissent et que lui puisse repartir enfin. Que je sens de rudes combats. Contre mon propre honneur, mon amour s'intéresse. Il faut venger un père et perdre une maîtresse. L'un échauffe mon cœur, l'autre retient mon bras. Réduit au triste choix ou de trahir ma flamme ou de vivre en infâme, des deux côtés mon mal est infini. Oh Dieu, l'étrange père. Faut-il laisser un affront impuni? Faut-il punir le père de Chimène? Je ne suis pas capable de promesses. Je suis le maître encore, si je veux, je peux t'empêcher de partir. Est-ce que tu crois vraiment que tu peux m'empêcher de partir? Oui, je peux t'empêcher de partir. Tu le crois? Eh bien, dis seulement un mot. Et je reste. Je le jure. Dis seulement un mot. Je reste. Il n'y a pas besoin de violence. Un mot et je reste avec toi. Un seul mot. Est-il si difficile à dire? Un seul mot et je reste avec toi. C'est par là seulement qu'il a su m'outrager et c'est aussi par là que je me dois venger. À tous vos chevaliers, je demande sa tête. Oui, qu'un d'eux me la porte et je suis sa conquête. Qu'il le combatte, sire, et le combat fini, j'épouse le vainqueur, si Rodrigue est puni. Je suis une femme ordinaire, ce n'est pas possible de me parler comme ça. Ne me torture pas, Boris. Non, j'ai peur. Si tu le veux, tu peux être une femme extraordinaire. Un amour jeune, gracieux, poétique, qui vous emporte dans un monde de rêves. Mais sur Terre, il n'y a que cet amour-là qui puisse donner le bonheur. Cet amour-là, je ne l'ai encore jamais senti. Quand j'étais jeune, je n'avais pas le temps. Je courais les salles de rédaction, je luttais que contre le besoin, mais maintenant, le voilà, cet amour, il est enfin venu. Il m'appelle. Mais quel sens, alors, de vouloir le fuir? Tu es devenu fou. Mais tant mieux. Vous vous êtes tous donné le mot pour me torturer aujourd'hui, hein. Elle comprend.
comprend pas, elle veut pas comprendre. Suis-je donc vraiment si vieille, si monstrueuse, qu'on puisse se gêner me parler d'autres femmes? Qu'est-ce que c'est que cette frénésie qui te prend? C'est intéressant, vous notez, là. Vous notez, c'est... Oui, c'est intéressant. Il faut pas avoir la moindre pudeur pour étaler comme ça, ainsi, devant tout le monde la honte. Sa honte et la nôtre. Moi, je refuse de me prêter à cette exhibition. Ce que tu peux être désagréable. Je ne comprends pas ça. Tu es désagréable. Tu vois comme tu lui parles? Tu es désagréable, c'est pas imaginable. Moi? C'est de moi? Je suis désagréable? Tu ne te rends même pas compte. Tu es désagréable, c'est invraisemblable. Tu ne t'entends pas? Tu t'entendrais? Qu'est-ce que c'est encore que ça, là? Elle est impossible aujourd'hui, ce que je disais. Je ne sais pas ce qu'elle a après moi. Je ne sais pas ce que tu as après moi, hein. Tu es différente. Je ne vous reconnais pas. Je ne vous reconnais pas, ni toi, ni lui. Décadent! Retourne-y à ton cher théâtre, là. Et va jouer tes pièces minables et ridicules. Jamais je n'ai joué des pièces comme ça, laisse-moi! Toi, même un vaudeville minable, tu n'es pas fichu de l'écrire! Bourgeois de Kiev! Parasite! Avare! Miteux! Le bonhomme est fou, sire! Soyez maudits, toutes! Sire, ce n'est pas bien! Sur le lion mourant, vous lâchez votre chien! Qui que tu sois, valet à langue de vipère qui fait riser ainsi de la douleur d'un père, sois maudit! J'avais droit d'être par vous traité comme une majesté par une majesté. Vous êtes roi, moi père, et là je vaux le trône. Nous avons tous les deux au front une couronne où nul ne doit lever de regards insolents. Vous, de fleurs de lys d'or, et moi, de cheveux blancs. Roi, quand un sacrilège ose insulter la vôtre, c'est vous qui la vengez? C'est Dieu qui venge l'autre. Chante, chinois! Mais je ne sais pas chanter! Chante, te dis-je! Celui qui m'entendrait chanter penserait que je suis joyeux. Je suis comme le petit oiseau qui chante lorsqu'il se meurt. Nous demandons Doña Musique! Pas moyen, elle vient de s'embarquer pour la barbarie. Chante, chinois! Chante! Elle ressemble à toutes les filles. Quand elles aiment comme ça, qu'elles soient méchantes ou timides, pauvre Violette ou Badiolia, elles ont les grands ciels humides et le désert où il fait froid. Parfois elles pleurent quand j'arrive et elles rient quand elles s'en vont. Si tu t'en vas dans la tempête, tu l'as déroi. Tu peux dire que je suis comme elle, que j'aime toujours les chansons. Tu peux bien venir et dire en belle des chagrins de vent et de frissons. Un jour, j'ai deux très grands amis d'enfance, Max et Tadeo, qui se sont inscrits à un cours de théâtre. On était toujours les trois, toujours dans tous les coups ensemble. Et moi, j'ai dit non, faire du théâtre, qu'est-ce que c'est? J'ai pas envie. Encore un truc pour les filles. Et à la fin de l'année, ils avaient monté Le Petit Prince. Alors, c'était pas un spectacle de quelqu'un de connu ou quoi, mais c'était vraiment en fait une sensation très, très intime, intérieure, où tout à coup... je suis rentré dans cette salle et j'ai vu ces deux amis avec qui je passais tout mon temps, avec d'autres personnes, me raconter une histoire en chair et en os, quoi. C'était pas une radio sur laquelle on mettait une cassette, on mettait play et tout à coup une voix te racontait une histoire. Là, c'était du direct, du concret. Et je pense que j'ai arrêté de respirer. J'ai dû reprendre ma respiration à la fin de la pièce. De nombreux mois que j'attendais d'en avoir fini, l'année d'après. Comme on ose bouger parfois, à peine, devant un danger extrême,
imperceptiblement, sans vouloir faire de bruit, ou commettre un geste trop violent qui réveillerait l'ennemi et vous détruirait aussitôt. L'année d'après. Malgré tout, la peur, prenant ce risque et sans espoir jamais de survivre, malgré tout, l'année d'après, je décidai de retourner les voir, revenir sur mes pas, aller sur mes traces et faire le voyage pour annoncer lentement, avec soin et précision, ce que je crois, lentement, calmement, d'une manière posée. Et n'ai-je pas toujours été pour les autres et eux, tout précisément, n'ai-je pas toujours été un homme posé pour annoncer, dire, seulement dire, ma mort prochaine et irrémédiable. Mais je sens affaiblir ma force et mes esprits. Je sens que je me meurs. Approchez-vous, mon fils. Dans cet embrassement, dont la douceur me flatte, venez et recevez l'âme de Mithridate. Il expire. Ah, madame, unissons nos douleurs. Et par tout l'univers, cherchons-lui des vengeurs. Il y a une phrase chez Turgenev. Il fait bon vivre pour qui, par de semblables nuits, reste à l'abri chez soi. Au chaud dans son foyer, je suis une mouette. Non, ce n'est pas ça. De quoi est-ce que je... Oui. Turgenev. Et que Dieu vienne en aide à tous ceux qui errent sans abri. Ça n'est rien. Nina. Nina. Ce n'est rien, ça me soulage. 2 ans que je n'avais pas pleuré. Hier soir, très tard, je suis allée dans le jardin voir si notre théâtre était toujours debout. Et oui, il est toujours debout. Je me suis mise à pleurer pour la première fois depuis 2 ans et ça m'a soulagée. J'ai eu l'âme plus claire. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin? De poésie? Ou de vertu? À votre guise. Mais enivrez-vous. Et si quelquefois sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge, vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour ne pas être les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Elle est sauvée! Mon enfant est sauvé! Délivrance aux âmes captives. Explicit opus mirandum. Da 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 da
demeure. Ruy Blas. Merci. Pas maintenant. Allons. Allons, termine. Nous sommes ensemble pour toujours. Pour toujours, mon Dieu, que c'est drôle. Pour toujours. Merci à tous. Parrain de la quatrième.